Ça en dit long sur l'état de notre société. Il y a des gens qui vont se faire tester parce qu'ils ont besoin du test, mais il y a aussi des gens qui vont se faire tester parce qu'ils sont terrorisés. Le matin, le midi, le soir, ils allument en effet leur télévision et on leur dit qu'ils vont mourir, que ça va être atroce, que ça va être la submersion, la nouvelle vague, l'apocalypse, que ça va être horrible, qu'il faut rester enfermé chez soi ou se précipiter, se faire vacciner ou se faire tester. Et la vérité, c'est que ça a un impact parce que une population qui a peur de mourir, c'est une population qui ne débat plus. C'est une population qui ne réfléchit plus. C'est une population qui est soumise. C'est une population qui est endoctrinée, qui se fiche de tous les sujets. Alors, comme l'immigration, c'est fait exprès. L'islam. Non, c'est pas forcément fait exprès, mais je pense qu'il y a quand même une capacité, une volonté de surfer là-dessus. À entretenir nous-mêmes. À entretenir nos peurs, etc. Parce qu'on ne parle plus des autres sujets, on ne parle plus de l'immigration, on ne parle plus de l'islamisme, on ne parle plus de l'insécurité.